Je suis Evelyne Bazani, je suis la représentante au sein de l'EHPAD de Sommières-Famille. Moi, je voulais simplement vous dire pourquoi nous, familles, un jour, nous avons choisi de mettre nos parents à l'EHPAD de Sommières-Terre de Guyenne. En premier, c'est la proximité. Il est important pour nous de savoir que nous n'avons pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour venir voir nos parents. Ensuite, c'est la réputation de cet établissement. C'est un établissement petit, avec une ambiance familiale où le personnel est disponible, accessible. Effectivement, la première chose qu'on voit quand on vient quand on rentre dans cet établissement, c'est peut-être, oui, effectivement, il est vieillissant, peut-être il est quand même pas tout à fait en bon état, mais la chose qu'on voit, c'est qu'il y a de la vie. Et je vous dis, il y a de la vie parce que tout de suite, dans le salon, nous avons contact avec les résidents. Ils sont là, ils sont assis là. Alors certains regardent la télévision, discutent, lisent. C'est ça que vous voulez voir. C'est ça qu'on n'a pas envie de savoir que nos parents, ils sont dans un truc luxueux peut-être, mais enfermés dans leur chambre. Là, actuellement, ils sont toujours présents. Ils font des activités. Quand on se promène dans les couloirs, le personnel vient nous voir. Nous parle, nous dit, ben voilà, votre proche, votre parent, ben cette semaine, ça s'est passé comme ça et comme ça. C'est ça qu'on recherche, nous, quand on met nos parents. Il n'est pas facile pour nous de les déraciner, de les sortir de leur univers. Donc, ce qu'on recherche avant tout, c'est un établissement simple, convivial. Si vous avez déjà circulé autour de Sommières-Terre ou passé devant l'EHPAD, vous avez pu vous rendre compte que des fois, vous entendez ben, des chansons. Vous voyez des enfants qui vont visiter nos aînés. C'est ce lien qu'on veut. C'est ce lien qu'on veut maintenir aussi, que nos parents ne se sentent pas isolés, qu'ils soient toujours en contact avec l'extérieur. Ensuite, le personnel qui est là propose toujours des animations toutes simples. Par exemple, le matin, on va proposer à certains de venir préparer à la cuisine, à éplucher les légumes, plier le linge, mettre le couvert. Voilà, ça, ce sont des activités tout simples. Et c'est ça qui pour les résidents, est important parce qu'ils se sentent encore investis, encore utiles. Et c'est important qu'ils pensent qu'ils sont encore utiles. Quand il y a des manifestations, par exemple, les fêtes de fin d'année, les repas famille résidents, on demande à nos aînés de décorer, de préparer des décorations. Et ils sont heureux, ils sont contents. Et la première chose qu'ils disent quand on vient, c'est de dire, tu vois, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui l'ai accroché là, c'est moi qui l'ai créé. Et là, on sent que, voilà, ils sont heureux de vivre ici. Ils sont heureux encore, et je le répète, de se sentir vivant, de se sentir utile. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est là tous pour empêcher la fermeture de cette EHPAD et pour dire à messieurs les responsables régionaux de Corian, pour leur dire qu'en définitive, qu'ils arrêtent de nous parler de rentabilité et que surtout, qu'ils organisent et qu'ils prévoient des concertations, un dialogue pour que nous puissions réfléchir et qu'on puisse et aussi qu'ils puissent réfléchir à comment accompagner nos parents avec toute l'humanité qu'il faut, qui est nécessaire jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, je suis désolée, le discours n'est peut-être pas très beau, mais enfin, ça vient du cœur. Merci.